Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème d'actualité puisque je vais aborder le sujet de Monsieur Delon et de sa dame de compagnie Hiromi Rollin qui est accusée de maltraitance sur l'acteur et j'aurais voulu avoir quelques précisions sur ce qui aurait pu se passer entre eux, voir si nous arrivons à déduire quelque chose par rapport à ces événements. Donc je vous propose aujourd'hui un tirage avec le tarot de la lumière. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une excellente journée. Je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais je vais essayer d'être réactive pour pouvoir effectuer mon petit montage et être au plus proche de cette actualité. Alors, nous avons le 10 de coupe qui arrive, suivi du pape. Je vais tirer trois cartes hein, pardon, dans un premier temps pour avoir un peu la tendance sur le passé, le présent et le futur concernant Alain Delon. Et nous avons le cavalier d'épée retourné, donc le symbole du condor, de l'oiseau mythique et magique. Je la laisse à l'endroit pour me faciliter la lecture, mais je donnerai bien entendu son sens renversé. Donc on voit ici qu'il n'y a pas forcément d'homogénéité au niveau des couleurs qui sont ressorties. On voit déjà avec la coupe qui arrive en premier que par le passé, c'était une relation qui était basée sur l'émotionnel, peut-être le spirituel également. Ce qui est quand même déjà quelque chose qui nous indique peut-être une emprise qui aurait pu être mise en place avec une certaine spiritualité au cours de discussions qui auraient pu sembler être tout à fait cohérentes, posées et intéressantes. Donc ça, c'est pour le passé. Le 10 de coupe nous annonçait un foyer plutôt harmonieux, un amour qui aurait pu être partagé effectivement par deux personnes. Ici, nous avons le pape qui arrive donc pour symboliser le présent. Le pape, nous voyons, il tient donc un branchage avec son rôle. Donc, on pourrait représenter ici peut-être le bâton du pape, je ne sais plus comment on appelle ça. Ici, représenté néanmoins par de la nature. Le pape regarde à l'arrière et bénit avec sa main gauche. Ici, nous avons une représentation à l'endroit qui indique que elle aurait pu se présenter comme un guide spirituel, une conseillère, quelqu'un qui avait des croyances religieuses fortes et qui les a transmises à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'Alain Delon, aujourd'hui, n'aurait pas été complètement guidé par une autre personne qui pourrait venir en complément de cette Hiromi? Nous allons voir ce que le futur réserve avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, donc bien entendu, je précise, nous sommes ici dans une couleur qui est plus liée au mental, hein, l'épée. Ça peut faire penser aux pensées, aux croyances, à tout ce qui touche à la communication. Et donc le cavalier retourné, puisque la carte était arrivée à l'envers, représente l'hésitation et puis surtout quelqu'un qui doute de lui. On invite à la diplomatie ici. Donc, je vais recouvrir ces cartes pour avoir plus d'informations sur le passé, le présent et le futur d'Alain Delon par rapport à sa relation avec Hiromi Rollin. Le cavalier de coupe pour le passé. Parfait. Le 3 d'épée qui recouvre le pape. Et le chariot qui recouvre le cavalier d'épée. Je pense que vous voyez bien les cartes.
Donc, nous avions déjà utilisé, enfin déjà tiré la coupe sur le premier jeu. Et donc, comme je vous le disais, on était sur les relations émotionnelles, spirituelles éventuellement. Donc, nous avions pu voir dans le premier jeu que c'était potentiellement une relation un peu avec emprise spirituelle. Avec le cavalier de coupe à l'endroit, qui vient compléter le 10, donc je rappelle juste que le 10, c'était le foyer harmonieux, et donc ce cavalier nous indique du romantisme en plus, quelque chose de l'ordre de l'idéal. Dans le passé, on a cru que cette relation était la bonne pour finir ses jours. Je résume. Le pape, donc, est lui recouvert par le 3 d'épée. Alors, le rôle de l'épée, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt le mental. Et là, donc, on est dans la situation présente qui exige effectivement beaucoup de mental, puisque nous sommes face à la concrétisation d'une action bien réelle de maltraitance, en tout cas d'un signalement qui est fait en ce sens. Donc, une enquête est en cours. Bien entendu, pour le moment, je crois que Madame Rollin est totalement présumée innocente. Néanmoins, il y a plusieurs plaintes à son encontre. Donc, ce 3 d'épée, lui, nous annonce des blessures morales, un deuil et vraiment quelque chose de très triste, quoi. On est sur de la tristesse en présent. Le pape, donc, si on peut considérer qu'il s'agit d'Alain Delon, va vraiment très très mal aujourd'hui, moralement et physiquement. Il est épuisé. Je crains que les traitements qu'il ait reçus n'aient aussi eu un impact sur sa santé psychologique et mentale. Donc pour le futur, le chariot sort et je ne vous cache pas que le chariot n'est pas forcément la carte la plus pacifiste du jeu. À l'endroit, bon, il représente la justice, la loi. Donc on peut apprendre qu'ici, il y aura bien un procès qui sera intenté contre cette personne. Je vais compléter mon tirage du tarot de la lumière avec un jeu que vous connaissez tous, que j'utilise pour les relations de couple, donc le tandu, afin d'y voir plus clair sur ce qui pouvait animer dans cette relation amoureuse et l'un et l'autre des protagonistes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, on voit une femme qui maltraite, qui charge le dos d'un homme, qui croule sous le poids. Donc on nous apprend vraiment que cette personne n'a pas été tendre. Elle a voulu se décharger peut-être sur le pouvoir et l'argent de Monsieur Delon, mais en tout cas, elle a abusé. On voit ici une femme qui est seule, qui donc ne pense qu'à elle. Pour moi, elle en est vraiment dans la symbolique d'une personne égoïste. Dans la chambre à coucher, hein, donc elle a atteint son objectif finalement, c'est de prendre possession des lieux. Ici, j'ai une carte qui ressort également et qui pourrait être interprétée de plusieurs façons. Moi, j'y vois ici une alliance multiculturelle. On sait que donc ces deux personnes sont d'origine ethnique différente. En tout cas, Madame Rollin a un profil plutôt asiatique, donc on pourrait nous parler de ce couple mixte. Ici, on nous parle d'un couple qui n'a pas du tout d'intimité, qui n'est plus heureux ensemble. On voit que la femme tourne le dos à l'homme. Donc cette dame-là, si elle avait promis des choses à Alain Delon au départ, ne les a pas tenues. Elle lui a tourné le dos rapidement une fois qu'elle a obtenu le statut qu'elle le souhaitait. Donc même si le monsieur pouvait être encore en forme, elle s'y refuse catégoriquement. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a même pas de tendresse, hein. C'est même pas une question d'intimité entre un couple, hein. La tendresse n'existe pas. Ici, de nouveau, on montre deux personnes qui se tournent le dos et j'ai l'impression qu'on me parle de l'acteur et sa famille ou ses amis. Donc quelqu'un qui a tourné le dos à tout son entourage pendant bien trop longtemps, par choix ou par obligation. Monsieur Delon, donc, bon, alors, je pense que ça devrait passer. Monsieur Delon, lui, c'est quelqu'un qui a énormément connu de femmes, qui a eu un passé. Avec le physique qu'il avait, très. Bon, je pense qu'il avait tout à fait confiance en lui. Et pour moi, ça s'est envolé. On représente la jeunesse, les corps. On nous montre ici que Monsieur Delon a du mal à accepter ça. Vous voyez, ça se confirme. Il est dans une situation narcissique. Hein. C'est quelqu'un qui se regardait beaucoup, qui s'aimait beaucoup, qui se trouvait esthète. On le sait tous. Alors, moi, je voudrais rester sur ce qui se passe avec sa dame de compagnie
et ne pas aller plus loin. Donc j'ai cette carte qui ressort. La carte là, c'est l'onirique. On représente la relation de rêve entre une princesse, le roi, le cheval qui vole. Ça, c'était l'idéal de la relation telle qu'elle avait été présentée à l'acteur en fait. Mais ici, on a menti. La dame a menti. On est sur une situation qui représenterait un enfant qui ne ressemblerait pas au géniteur physiquement. En réalité, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que l'aboutissement, donc la maturation de ce projet, un peu la naissance de leur vie commune, ne correspond pas du tout à ce qu'elle avait dit durant ces périodes où elle était encore aimable et gentille. Alain Delon s'est fait berner. On lui a caché des choses et il ne savait pas du tout qui il avait face à lui. Alors, on me parle d'une relation quand même étrange, d'une relation où la dame aurait profité de l'énergie ou aurait voulu donner une énergie à un homme. L'énergie, les chakras, l'ouverture, la connexion, est-ce que des choses peuvent être faites d'un point de vue magique avec Monsieur Delon qui aurait pu attirer Madame Rollin également? Je laisse cette carte retourner au cas où, parce que le dessin est assez explicite pour que ça puisse poser problème à YouTube. Et donc j'ai de nouveau les cartes qui sont tombées toutes seules. Donc ici j'ai la carte d'un géant par rapport à une situation, quelqu'un qui tape fort du poing sur la table et qui fait fuir autour de lui. On sait qu'Alain Delon était quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui avait une façon d'être qui était intransigeante avec ses proches, même avec avec son fils, notamment le Harry, qui n'a pas été reconnu par lui. Et la carte de l'homme qui rejette une femme et un enfant au profit d'une autre femme. Donc je pense qu'il va réussir à s'extirper de cette situation et qu'elle n'aura pas gain de cause, ce qui est plutôt rassurant. Donc Monsieur Delon était bien dans une relation effectivement bien basée sur du mensonge, de l'hypocrisie. On lui a fait croire que tout était beau, tout était rose, pour mieux arriver à mettre le grappin sur ce qu'il pouvait représenter au-delà de l'argent. Hein. C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de notoriété, c'est une question de pouvoir. Et cette personne n'est pas intéressée par ce que Monsieur Delon est, mais par ce qu'il représente. Donc, je vais compléter avec un dernier tirage pour savoir ce qu'on peut nous dire avec un jeu classique en trois cartes. Sur Alain Delon aujourd'hui. Le 7 de pique qui arrive à l'envers. Le contrat ou l'officialisation, on va dire en tout cas l'as de carreau. Et là. Le 7 de carreau qui ressort. Alors, ce qu'on nous apprend dans ce tirage, pour compléter et terminer cette vidéo de manière la plus constructive possible, en allant le plus loin possible avec... Oups, j'ai fait tomber mon petit ange en cristal. Avec donc ce jeu-là, ce qu'on peut nous porter comme précision, je vais y arriver. Donc, c'est qu'on est sur quelque chose de pas forcément très positif. Alors, on va essayer de... Comment je pourrais faire? J'essaye toujours de faire au mieux pour ne pas choquer les gens, pour essayer d'être neutre hein, le plus possible. Mais là, on nous parle vraiment d'un souci, de santé, un vrai conflit. Donc, il y a un gros souci de santé pour Monsieur Delon ici et également des gros conflits autour de lui. Ça, c'était dans le passé et je n'irai pas plus loin dans ce que je dis. Au niveau de la carte qui représente le présent, la carte qui représente le présent ici nous annonce qu'on va avoir un procès, qu'on va avoir une convocation, qu'on va en savoir plus. Je crois qu'un juge va être saisi. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre d'une remise, de comparaître. Et pour le futur, donc avec le 7 de carreau,
Le 7 de carreau ici aurait plutôt tendance à nous indiquer dans le sens dans lequel il sort, puisqu'il y a des toutes petites coches hein, pour le sens, que dans le futur, nous allons vivre vraiment une situation de conflit, des conséquences très très graves. Alors, Monsieur Delon va forcément pouvoir avoir des conséquences physiques, mais malheureusement, il a aussi des conséquences morales hein, avec un état dépressif exacerbé, semble-t-il. Alors, je souhaite à Monsieur Delon tous mes meilleurs voeux de rétablissement par rapport à cet épisode dramatique qu'il a traversé. J'envoie aussi toutes mes bonnes pensées à sa famille, à ses enfants, ses petits-enfants, parce que personne ne mérite d'être traité comme un animal, et pire qu'un animal, bien sûr. Donc, je vous invite à rester toujours aussi gentil dans vos commentaires, s'il vous plaît, qu'on apprécie ou pas le personnage. Moi, je donne pas du tout mon avis sur Monsieur Delon, mais simplement sur cette situation qui est vraiment indécente. Donc, je vous saurais gré de bien vouloir en faire de même, comme vous le savez si bien le faire pour toutes les autres vidéos. Merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je pense qu'on va essayer d'aborder ensemble un sujet un peu de ce genre qui sera dédié à une affaire un peu people qui pourra intéresser un peu plus les personnes qui seraient dans une tranche d'âge allant peut-être de 15 à 60 ans, à 70, à 80, à 90 ans. Ce sujet que je souhaite aborder bientôt, ce sera le sujet de la mort de Lady Diana. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour cette nouvelle vidéo.